Kenya mende ko wa mu bari no sende opokpe nyamamu nyamanyama sate opulufite afi akwese kenya mende wo ye patembo ye patembo ofrate de yo patembo parce que Jésus yoti nyamien donc frate be patizamo Jésus du monu patembo be yayi et au nom du Père du Fils du Saint Esprit n'a pas tenu pas nous Jésus il a tenu à mien nous Jésus nous doumi a tenu à mien nous alléluia yes sans de moi ben moi n'a mien fait le ben dieu ben c'est moi même n'a mien en dit qu'il y a une des soirs en clave pas battez pas ben yo Jésus tout mon nom est-ce que les hommes de Dieu peuvent nous donner le passage qui prouve que on bat au nom de Jésus. Amote bay. Na ya ka, nyamin da ya ka. Taba kanga yo, mba tradu. Eba nyamin ti ka wangu so. Eba sika. Batem e papa, ba yo Jésus de mon. Ti bay. Ti ba. Colossiens chapitre 3 verset 17. Amen, amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Imoyo. Et quoi ba malayo? Amoyo Jésus du monde. Nti quoi ba moyo ce soir? C'est amok jo le nouveau. Amo sako ba mala yo. Amo yo Jésus de mon nom. Et c'est amo tiri. Amen. Amen. C'est tiri pondement Jésus. Pondement Jésus. Pondement Jésus. Pondement Jésus. Alléluia. Amen. Acte 19 à partir du verset 1. C'est bien compliqué. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a mieux ce fois qu'on. On y a même des. Il y a bien des moyens. On n'y a pas soif au bémol. Et on peut savoir que, baptême pas par la mort. Moi, tout le monde, il y a pas la mort, baptême ça. Bémol à Jean, bémol à Timothée. Il y a des messieurs en moyens. Il y a bien, au bout de la main, moyens. Baptême pas. Ben, il y a eu Jésus tout le monde. Pour un sort, il y a bien pas tout le monde. Enfin, il y a bien des ordinateurs. Il y a bien pas tout le monde. Mon bailleur, il y a baptême Jésus tout le monde. On y fait ta carrière, ben y'a baptême. Parce que c'est pas y'a baptême. Un bon animé ce corps. N'y'a on va se dire. Parce que moi, c'est pas baptisé, mais Jésus, mais tout le monde. Au baptême. En tout cas, c'est pas reconnu. Au baptême. Au l'ambassade. Au baptême, l'ambassade. Mais ça peut se faire au baptême, Jésus, tout le monde. N'a comme accueil. N'y'a mis tini, au dieu. N'y'a. Anne, cababa, au bon. Un témoignage. On voit là l'eau. On voit Eddie. Et d'un mot à Capella, on voit Eskamba, moi, à finir mes teams now. Est-ce qu'on peut demander Jésus? Pendez-moi Jésus. Pendez-moi Jésus. Pendez-moi Jésus. Pendez-moi Jésus. 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 Voilà Jésus. Amen. Belle maman, il faut la pousser là. Les gars ici, depuis qu'on a commencé,
Yesu bakale la isela iga iga asino watu fo lerna ne frantume brema folo net ma fola tane mais Yesu ga ni mami kele ye o sababu le la nega ne resona Yesu la nga jisu kundi Yesu ma parce dunia konona o mogote doni ga ye Yesu Bakala ida kenya solo. Iye la jusu bundama. Kana foko kretien ko lebe, kretien ko tala. Ni salalomina, ibni ire solo lomina. Ile ire kolo. Ni man son Yesu la pi. Sini ile ire bna yimisa. Okura yomune ye, ika kenya solo. Imina baraka bi kwa Yesu le. Yesu a batemu. Quand Fogo ne mettra missile là, Fofra ne mettra missile là, ne mettra pas la missile là. Mais nous avons mis Yesu qui a mis la missile là, on ne peut pas se faire à la fin. A quand mis la missile là, on ne peut pas. Donc, puis, ça va, ni qu'à l'oko, a quand mis la missile là. Ou alors, on ne peut pas se faire à la fin. Je ne peux pas se faire à la fin. A ta, là. Soit l'heure 9h war bakota la alléluia na banati mayaj la 9h kota la bele na banati mayaj la mambu lorwe war bakota la na banati mayaj la 6 ans na mambu fleni en mettra baptême la il sonna Yesu la nyamma A framina pour dire il la paix. Alléluia. Amen. Donc mes tibarami fola yina son mandana. Yesu ka yuma mi keye. Ayera la ko iga brekenye. Ima warisa iga kenya so. Alléluia. Ima warisa iga kenya so. A fwa yina ko a enichi. Aka yuma mi keye ni. O le ko son o prema. Mena yire ta. A franka mi kenye, a frambo kenye. Alléluia. Donc, à quand tu as eu aussi? N'a pas un témoignage là, 6 ans. Yesu ka yuma mi kiye, on le veut témoignage. Ne tu m'en nana, ne se tu m'en dimina, ou bien ne quoi tu m'en dimina. Mais nana prie la mingue, n'a kenye a soro. Donc, ni go fort, framina tia, on a matigye. Alléluia. Donc, nous, tela matigye, au courant ko, ka foko metala catholique la ou kota la. Otovetara jile bongo kuna. Ote batem yede. Ome mikela katholik kuna non. Ka kaya ji bonam wakuna. Ka ji vienta. Ka ji bongo kuna. Ote batem ye. Batem. Ome yi to jila. Alleluia. Batem vrenye. Ome yi sona. Ome yi to jila. Alive siki ome ji ki kuna. Kasa warani kuna non. Ote batem ye. Alleluia. Don ni temaye para sisan na. Membri l'homme, amena ta patem la. Mitme tibaraye, ole beni. Ae sabaria e pre, ameta patem la 600 na. Na brante moye la, ameta patem la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mitme tibaraye, enfeni, ole beni. Na suna ae tegare fo. Na suna Yesu a tibaraba, ae tegare fo. Si vous avez accepté, acclamez le Seigneur. Na suna Yesu a tibaraba, ae tegare fo. Vous avez accepté au Seigneur Jésus-Christ, acclamez le Seigneur. Bon, si ça, non. Maintenant, il est temps de témoignage. Non, pendant le témoignage, là, on est prêt à tout, mon bricolomé, il sera basé. On va finir de rendre témoignage, apprêtez-vous, on va monter dans le camion pour aller aux eaux du baptême. Bon, témoignage, où est-il, c'est là, si ça. C'est l'heure du témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, man. Shalom, shalom, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, je suis nommé Abraham. Bon. Et puis, il m'a dit que je suis venu ici. Et que Dieu a fait pour moi. C'est moi ce que je connais. Bien. On acclame le Seigneur Jésus, bien-aimé. Et dit depuis le mardi, il était avec nous ici. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour lui, c'est lui ce qu'il connaît. Allons-y, mon frère. Il y a une chanson que je vais chanter dans mon étude. D'accord, allons-y.
Les chantres. Il a guéri. Ah, est-ce qu'il y a une chambre guérie ici? C'est ce chant là, les chants, vous connaissez là. Quand je suis venu ici à la maison, ici en 4, quand je fais les tours, un fois je prends les premiers ou bien les deuxièmes. Mais dans ces deux jours, ce que tu me fais, je ne comprends pas. En fait, quand ici à la maison, quand je dors, quand je fais les rêves, et il y a les gens qui me poursuivent, mais qui me donnent à manger ici, je ne mange pas, je refuse, je me frappe, mais que je me relève quand ma tête a commencé à me faire mal. Ça, comme il y a vu qu'on dit qu'il y a prié ici, je suis venu ici. Et puis ce mardi, même si demain, comme aujourd'hui on a fou, je peux venir jusqu'à 4h ou bien à 2h du matin, aller me coucher. Mais, ce que Dieu a fait pour moi. Non. Personne d'autre. Alléluia. Voilà Jésus. Il dit ce que Jésus a fait pour lui. C'est lui ce qu'il connaît. Il a fait quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, comment tu dors? Quand tu dors là, tu vois comment? Comment tu te sens quand tu dors? Depuis ce mardi, jusqu'à aujourd'hui, quand je dors, je dors bien, tranquille. Alléluia! Je suis dans l'air. Mais depuis ce jour que j'ai raconté mon histoire à maman, et ça, ce jour, moi et maman, on était venus. Moi et ma maman, on était assis derrière là-bas, moi j'étais assis à côté de ma maman. Mais lui, de toute façon, il a vu ma maman. C'est ça, j'ai envoyé ma maman ici. Moi et ma maman, on dit on est venu ici, ils ont prié pour ma maman, elle est partie à la maison. Il dit, moi, elle est restée ici, pour sous les cuites, là aussi, ils vont prier pour moi, pour ne pas que demain il y a coup. Est-ce que maintenant tu as mal à la tête? Non. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Alléluia. Depuis ce jour-là, tous les malheurs qui m'arrivent, ces malheurs, je ne ressens plus ça. Gloire à Jésus. Il ne ressent plus rien. Il n'a plus le mot de tête. Il tombe maintenant tranquille. Ceux qui le poursuivaient là, ils doivent maintenant en paix. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Témoignage. Gloire à Dieu. Je vous demande le frère Joseph. Ce soir, ce matin, je suis très content. Un père qui est un père de ses enfants dans le Seigneur, c'est que c'est un bon père. Et puis un bon moment, moi, avec mes enfants, disons, ma fille, elle avait des petits discours. Allô? Moi avec ma fille, il y avait des petits discords et je disais à ma fille qu'elle n'a qu'à se donner au Seigneur. Elle disait qu'à Benoît, elle a une église. Et par la grâce de Dieu, avant-hier, Dieu a fait. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux parce qu'elle n'a plus que 19 ans. Et aujourd'hui, une fille qui a 19 ans se donne au Seigneur, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, on l'appelle, elle me dit que papa, tous mes habits sont sexy. Mais je viens le lundi, bien le mardi ici, qu'elle me fait aller acheter des habits qui sont puissants et pour venir. Et que franchement, quand elle a dit ça, j'étais content. Parce que franchement, tu es en train de faire des grandes choses dans ma vie. Alléluia. Et que j'encourage aussi toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui sont là, qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui se donnent au Seigneur. Je pense bien que tu as envie de faire un travail ici, à Poisson Commun. Dans cette question-là, je dis merci au Seigneur. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, en tant qu'on partait dans les églises, on donnait de l'argent. On donnait de l'argent. Mais aujourd'hui, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu qu'on place quelque chose pour donner l'argent ici. Et que vraiment, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Parce que les gens prennent les serviteurs de Dieu comme des mendiants. Et j'ai remarqué que toutes ces personnes ici sont venues apporter la bonne parole et que c'est cette parole-là qui est en train de transformer ce village et que je rends gloire à Dieu pour tout cela qui est venu ici. Alléluia! Acclame Jésus! Sa fille a rencontré le Seigneur. Alléluia! Maman, témoignage. Alléluia! Amen! Le nom de Genet. Dimanche, mon petit-fils était malade. Je l'ai envoyé à la clinique. On l'a quitté là-bas. Il allait chez les hommes de Dieu. Quand ils ont prié pour lui, l'enfant là, il ne mangeait pas. L'enfant là, il ne mangeait pas. Il vomissait. Mais quand ils ont prié pour lui, quand on est arrivé à la maison, tout est fini. L'enfant a commencé à s'amuser. Moi aussi, mon pied me fait mal, ça fait 4 mois. Quand les hommes de Dieu sont venus, ils ont prié pour moi, ça a commencé à aller. C'est enflé la terre là, mais je sais que Dieu va faire. Alléluia! Acclame Jésus. Jésus a déjà fait. Alléluia! Gloire à Jésus. Témoignage. À qui Dieu a fait du bien? À qui tu as fait du bien? À qui tu as fait du bien? N'aie pas honte. Viens en témoignage. Témoignage. Acclame Jésus. Viens le bien, acclame Jésus. Shalom. Et maintenant, Abdi Chalet. C'était Abdi, c'était mon grand-père. C'était mon grand-père. Alléluia. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait un problème de ventre. Maintenant, mardi. Mardi. Je m'en fous. Ça ici,
En gagné. Alléluia. Je vais traduire. Elle dit, elle avait un souci de ventre. Elle avait mal au ventre. Alléluia. Et que le mardi, quand elle est venue, il y avait une prière ici. On priait ici. Et le mardi, elle est venue. On a prié pour elle. Gloire à Jésus. Et depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus ce problème de mal de ventre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dans un pays, chantier, elle va chanter. Alléluia. Elle va chanter maintenant. Le chantier. Gloire à Jésus. La chanson disait que Seigneur, nous voudrons te dire merci. Nous voudrons te célébrer pour ta justice. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de justice. Nous voudrons te dire merci. Témoignage. Gloire à Dieu. Le micro. C'est ma première fois d'apprendre que un chrétien n'a pas apporté Bayard, ni Chanokou, ni Koudoumi. Vraiment, ça m'a marqué que ça à la maison, je me suis couché et dit, c'est ma première fois d'apprendre ça. Est-ce que c'est normal bien que. Mais quand j'ai dormi, le Seigneur m'a parlé que quand il m'a fait, faut que tu aies ton Bayard. J'ai douté. J'ai dit, pour être. Je suis parti sur le demi, et je ne me prends pas pour ton Bayard. Je dis, pourquoi Bayard? Non, je ne peux pas. Il sort, il vient. Il se voit sur la chaîne dans le salon de maman. Tout pour ton bail. Pourquoi bail? Je suis parti. Bah, écoutez bien ce qu'elle est en train de dire là. Bah, elle n'a pas coupé. Il a enlevé, il a mis la chasse. La chose dit que tu as enlevé, il a mis la chasse. Moi, je veux dire que tu viens de côté. Moi, je dis. Je dis, moi, je dis, moi. Je suis là. Il a craché, il a mis sa tête. Il a fait pas là-bas, il n'a pas fait. La chose m'a dit que je peux te donner à Dieu. Que moi je vais travailler pour toi. Mais ton oreille a dit que t'es petit. Pas bien de temps tu dors. Quand tu es tout petit, quand tu es petit, quand tu es petit. Ah, parce que plus que moi, mon église aussi, c'est l'église de l'éveil. On est parti à la rapière. On va dire c'est notre nom parce qu'on allait prier. Il y a un pasteur qui était en conseil de nous prier. Il a dit que moi, Dieu m'a fait un domaine. Que moi, il a dit quoi, que moi, il y a l'esprit de Jonas. Esprit de Jonas. Soit au secours. Il me dit, c'est quoi ça là? Esprit de Jonas.
Jonas, en même temps, il me soit arrêté puis le tremble comme ça. Et puis le pasteur a dit que Dieu te donne un bon de guérison. Reste tranquille et concentre-toi. Tout va aller bien. Sérieusement dit, moi aujourd'hui je suis content de même. Je suis venu le pasteur. On est un nombre ici, mais il m'a appelé. Comme il était surprise, il m'a dit, ah, viens, je vais t'apprendre à prier, pose les mains. Et je le remercie beaucoup. Et c'est là que j'ai vu que pour moi, je veux travailler moi. Il n'est pas le seul qui me dit que je veux travailler moi. Partout je passe, il y a les pasteurs, mais depuis à Yamé. Mais esprit de Jonas là, comme je vais me laisser là. Jésus, amen. Ok, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Sinon, j'ai un don. Que moi, mais je dois rester tranquille. Et puis Dieu va se confesser à moi. Que je remercie le nom de Dieu. Laissez-le jamais ses enfants. Et tout ce que je peux vous dire. Alléluia. Le roi de gloire. Témoignage. Moi, je me donne bien mieux pour voir Marie Déborah. Je me donne bien mieux pour voir Marie Déborah. Il y avait un truc mal à la tête la semaine passée. Ça m'a pris jusqu'à, je sais pas, ça rentrait, ça me fait parler plus jamais de mon Dieu. Après ça, le mardi, on partait à l'église. Mais on a vu le papa qui a été là-bas, il nous a appelé. Il a dit, ah, que nous la cru, mais si que je suis chrétien, venez, on prie. On prie aussi. On dit, d'abord, on partait à l'église pour me venir. On partait à l'église pour me venir. Et donc, comme ça. Comme ce malade, au retour, ma boisson. Après ça, il est venu. Mais non, après, il voit, chaque jour, il dort, il y a des trucs. Il fait rêver, il ne me souvient plus. Il me rêvait pas, il ne me souvient plus. Mais non, après ça, que je venais à l'église ici, hein, le mardi, je suis partie dormir. Mais il voit, quand il fait des souvenirs, hein, c'est. C'est que je veux voir. Je suis dans le truc dans les cimetières. Regardez, ah, ça c'est pas normal. Mais après, c'est commencé à prier dans mon cœur. Et prier dans mon cœur. Moi, après ça, partout où je passe, les gens me disent, ah, moi je suis prophétesse, que de prendre Dieu, de prendre de Dieu au sérieux, que ça va m'aider des vies. Et donc, de suite, là, quand j'étais en train de prier, là, je voyais, pourquoi mais j'ai répondu. Et ouais, c'est que ils s'est cassé, et puis mon esprit sortait dans le corps. Mon esprit sortait dans le secteur et a fini. Alléluia! Acclame le roi de moi! Acclame Jésus! Je le remercie pour vous. C'est lui qui a le contrôle de notre vie. Je le remercie pour vous. Vous pouvez faire le but de Dieu, mais il n'est pas. Il ne sait pas qui va m'aider. On sera là pour t'encadrer. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé. Témoignage. Donc, quand on a eu, quand la personne, on se dit, ah, moi, mais je peux vous manger. On dit ça. Quand on y a eu, il y a ce plat, voici la femme, il y a eu. Attends. Il y a eu. Gloire à Jésus. Ni kaye ko yesu kani makiye. Il a créé ce roi, yesu barkala. Bien en témoignage. Alléluia! Jésus! Alléluia! C'est un témoignage. Moi,
ce qui m'a touché à la parole de Dieu. Sur l'image que Dieu a vue là. Et puis, comme les mamans se lavent les enfants. Moi, en tout cas, je me lave ma fille là. Depuis de mauvaises ans. Je ne sais pas que c'est un péché. Donc, moi, en tout cas, la parole m'a touchée. Donc, je demande au Seigneur. Ma part, c'est que ce péché peut quitter dans ma vie. Bon, deuxième, ta parole m'a touché. Elle ne peut pas toucher, mais que je remercie à l'écoute. Voilà Jésus. Alléluia. Elle dit la parole a touché. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Parce que ça, elle n'a jamais entendu ça. Alléluia. La parole, elle n'a jamais entendu ça. C'est une première fois. Gloire à Jésus. Témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Ni Jésus qui a été maquillé. Non. N'aie point honte. N'aie point honte. Viens rendre ton témoignage au Seigneur Jésus. Il a reconnu Jésus, ça va vouloir qu'il y ait un. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Témoignage. N'a mis un sénat. Témoignage. Donc il va laisser le micro à l'homme de Dieu, Paul Abraham. Il va prier pour la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et on va prier pour la fin. Juste après la prière de la fin, nous allons nous diriger vers les eaux du baptême. Tous ceux qui ont pris les voiles et les pagnes, vous pourrez les remettre aux bien-aimés qui sont là avant de partir. Et comme ça, on pourra vous les redonner lorsque nous serons dans les eaux du baptême pour qu'on vous baptise avec. Ainsi, lorsque vous allez rentrer, vous pourrez vous changer pour être vêtu décemment. Alléluia. Tu vas étendre tes mains ainsi de recevoir. Tu baisses légèrement la tête et tu fermes les yeux. Nous allons prier. L'Éternel des armées, Dieu de grâce et de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, voici tes enfants. Toi-même, tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'est attiré. L'Éternel, tu nous as envoyés ici pour faire ton œuvre, pour annoncer l'Évangile, selon qu'il est dit de toi dans le livre d'Ésaïe 61, au verset 1, lorsque l'Esprit du Seigneur descend sur nous. Seigneur, tu as toi-même fait venir tes brebis. Ces brebis ont entendu ta voix. Toi, tu les as connues avant même la fondation du monde. Et c'est pourquoi ces brebis te suivent aujourd'hui. Père éternel, nous prions qu'il en soit pour ces brebis comme dans la dernière phase de la parabole du semeur. La dernière terre qui était la bonne terre, la terre fertile, Seigneur, celle que les épreuves n'ont pas pu détruire, celle qui a su conserver la semence. Il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de pierres. Aucun oiseau n'est venu picorer la graine, mais la graine s'est enfouie dans la terre. Seigneur, elle a produit.
et elle a germé, elle a donné de bons fruits. Nous prions maintenant que tous tes enfants qui sont là, même ceux qui sont venus depuis le mardi et qui ont une seule fois entendu un seul iota de la sainte doctrine, Père, que cette semence soit comme un grain de s'élever dans leur cœur et que cette semence croisse, qu'elle grandisse jusqu'à ce que leurs âmes te soient totalement dédiées. Seigneur Jésus, lorsque tu as quitté le désert, tu as dit, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Éternel, désormais, c'est ce même message que tu continues d'annoncer à travers nous aujourd'hui. Tu continues de dire à ton peuple, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Fuyez la colère à venir. Éternel, nous prions que toi-même, celui qui convertit les cœurs, que tu viennes convertir les cœurs de tes enfants. Éternel, nous allons nous diriger dans les eaux du baptême. Nous prions, ô Dieu, que tu nous attendes déjà avec le grand livre de vie ouvert, afin que plusieurs, tous les noms même de ceux qui seront baptisés, soient inscrits dans ton seul livre de vie. Nous prions, Seigneur Jésus, que lorsque ceux-là seront baptisés, que tu les soignes de ta force, de ton Saint-Esprit, de ta puissance, et que tu sèmes dans leur cœur le véritable dégoût du péché, que tu mettes dans leur sein la véritable conversion. Seigneur, souviens-toi, tu as dit à Pierre, Pierre, le diable m'a réclamé ton âme pour te cribler comme un froment, et j'ai intercédé pour toi. Lorsque tu seras converti, lorsque tu seras affermi, soutiens tes frères et affermis-les. Éternel, tu as permis que plusieurs au milieu de nous, Seigneur, soient déjà convertis et soient déjà affermis. Et tu nous as donné, Seigneur, de paître ton troupeau. Seigneur, nous prions qu'au travers de nous et par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu commences à les affermir. Quoi qu'ils soient nouveaux, mais qu'ils commencent par être affermis dès leur premier pas. Éternel, comme tu as dit dans ta parole, que les pas, les premiers pas de l'enfant, les premières actions de l'enfant, laisse déjà voir quel genre d'homme il sera. Père, nous prions que leur premier pas soit de belles actions, afin que cela incarne ce qu'ils seront dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans et au-delà. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui as moissonné. Tu as dit dans ta parole, si l'Éternel ne bâtit, enfin le bâtisseur travaille. Si l'Éternel ne veille, enfin le façillon veille. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions car nous savons que c'est toi qui as bâti. Éternel, continue de veiller jusqu'à ce que tes enfants viennent à toi. Nous prions aussi que tu oignes chacune de tes brebis de fécondité spirituelle, afin que chacun d'entre eux ne retienne point sa langue, mais élève sa voix comme une trompette pour annoncer à tous ceux qui seront autour d'eux, en toute occasion favorable ou non, la saine doctrine, afin que eux aussi soient engendrés dans le Seigneur et reçoivent le salut par le Saint-Esprit. Père Jésus, nous avons fini ici et nous nous dirigeons vers les eaux du baptême. Éternel, que tout soit entre tes mains. Que toi-même tu prennes les cœurs et que tu touches les cœurs de ceux-là que tu as envoyés vers nous afin que ceux-ci reçoivent leur baptême. Qu'ils n'en soient pas, Seigneur, comme ceux qui reçoivent le baptême et retournent à leur famille et retournent dans le monde pour se remettre en prison. Mais que ceci, Seigneur, à cause de ton amour, demeure en toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que ton avènement arrive. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Ceux qui n'avaient pas encore donné les pains et les voiles, je vous en prie.